ses lieux, ses intentions, dans sa conscience, donne-nous le but de cette célébration eucharistique qui nous offre l'opportunité du quotidien de rechercher la proximité de Dieu, qui n'est rien d'autre que la finalité de toute existence. Tout à l'heure, nous allons en faire l'expérience de cette proximité en communiant au corps et au sang du Christ sur les espèces du pain et du vin, en écoutant sa parole, parce qu'il est le fait qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. Nous prions en mémoire de son époux et du Père des enfants, pour que notre prière porte en ce jour. Je vous invite, en toute sincérité, à nous dépouiller de nos ondes négatives, afin de rentrer en communion chose avec Dieu qui nous réunit ici cet après-midi par amour. Et parce qu'il nous aime, il nous pardonne nos péchés. Ouvrons-lui nos cœurs, disons-lui nos impairs, je voudrais dire nos coutumes de retour d'habitude quotidienne de la vie, avec nous-mêmes, avec ceux et celles avec qui nous convivons et avec lui Dieu. Parce qu'il est bon, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais le nom de frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par position. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les plus saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur et la que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
d'être toute bonté. Et là, nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nos vies tout malheur, pour que nous puissions te servir dans la joie. Il a fallu la mort et le jour anniversaire de notre frère Maxime Vanouga, notre ami, notre père et notre époux. D'ores et déjà ne souffre plus. Mais c'est pour nous la source d'une autre douleur. En ce jour anniversaire, nous nous tournons vers toi, Seigneur, notre Dieu. Nous savons qu'après la mort de ton fils Jésus-Christ et sa mort sur la croix, tu l'as ressuscité dans tes mémoires. Fais-nous découvrir en suivant ses pas que le chemin du calvaire conduit tout ce qui le gravite jusqu'au soleil du matin de Pâques. Éternel de l'écouter, éternel de la fidélité.
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque de l'époux, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de l'époux, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient déroulées. Et il était là au milieu. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur, mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes des témoins en puissance. Tant qu'on n'a pas rencontré le Christ, tant qu'on n'a pas
créé à son image, à sa ressemblance. Ça signifie que chacun d'entre nous porte la totalité de l'humanité de Dieu en lui. À nous d'en avoir la conscience et de l'exprimer dans le quotidien de nos relations. Aujourd'hui donc, Diane et sa famille voudraient dire en réalité que face à la mort, même si c'est plus tard, même si on a été là après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, que la mort nous donne à réfléchir sur 3 points. Il y a le temps, il y a la vie et il y a l'autre. Voyons comment est-ce que nous vivons. Avec le temps, la mort démontre que le temps de l'autre est fini. Et aujourd'hui, on amène vos anniversaires. Il y a 1 an exactement 6 mois. Donc le temps de l'autre est fini. Le temps s'est arrêté pour ma sens. Donc il faut profiter du temps. L'importance du temps. Il y a beaucoup d'entre nous qui considèrent le temps comme le temps chrono, c'est-à-dire un temps linéaire. Tout passe. Comme disait Pasteur Pantagé, tout passe. Rien n'est stable. Ce qui fait qu'on ne peut pas construire du sol. On ne peut pas construire du stable parce que c'est tout passe. Tout passe. Et attention. Il y a beaucoup d'autres qui pensent que le temps est civil. Aujourd'hui est comme hier, hier est comme aujourd'hui, demain est comme avant-hier, avant-hier est comme aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Et avec ça, il ne peut pas construire sur du sol. Il ne peut pas construire sur du stade. Il y a beaucoup, ou il y a certains, qui considèrent le temps comme un temps favorable, un temps de grâce. C'est-à-dire qu'il faut en profiter de ce temps. Il faut s'épanouir avec ce temps. C'est un temps de grâce qui nous est offert à chacun d'entre nous. Il ne faut pas le perdre. Les Anglais disent time is money. Donc le temps il est très important dans la vie. Le temps nous permet de découvrir qui nous sommes. Le temps nous permet d'arranger nos relations avec nous-mêmes, avec Dieu, avec ce seul avec qui nous confions. Et la vie, avec la mort, on se rend compte, mes chers amis, que papa n'est plus là. La mort a arrêté sa vie. La vie est un don gratuit de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. Il faut en faire un privilège. Nous ne sommes pas les propriétaires. Nous ne sommes que les usufruitiers parce qu'à un moment donné, on nous demandera les comptes de la gestion de cette vie, comment nous avons géré la vie. Les latins disent, ad maior magna potius sum, je suis né pour les grandes choses, le meilleur est ma destinée. Quand tu as la possibilité d'avoir la vie, il faut que ce soit un art. Quand on te voit vivre, que les gens disent que voilà quelqu'un qui jouit de la vie. Jouir de la vie ne signifie pas boire 50 cartouches pour je ne sais pas quoi. La dernière fois, on va au bureau, c'est quoi? Primus. La mort, voilà. Non. Il faut jouir de la vie parce que nous sommes nés pour des grandes choses. Le meilleur devrait être notre destinée. Et chacun d'entre nous qui sommes là, nous avons reçu les talents. Nous avons des dons. Il y a beaucoup qui enfuient leurs dons. Il y a beaucoup qui ne veulent pas exceller. Ni pour eux-mêmes, ni pour ceux avec qui ils vivent. Ils ne veulent pas exprimer, extérioriser, mettre en valeur ce qu'ils ont reçu. Quand est-ce que vous allez rendre compte à Dieu? La vie, elle est importante. Et maintenant, l'autre. Avec la mort, on se rend compte que l'autre n'est plus là. On a une nouvelle culture aujourd'hui. On célèbre les morts
C'est l'autre qui donne sens à nos vies. Et le Christ l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Soyons des dons gratuits pour les autres. En réalité, ce qui nous empêche d'intégrer le temps, de vivre le temps, de reconnaître l'autre, de lui manifester notre humanité, l'humanité divine qu'on a en nous. Parce que nous n'intégrons pas dans le quotidien de nos relations, déjà de nos vies, trois pays. Il y a le premier pays que nous devons cultiver, c'est la pauvreté de soi. La pauvreté de soi, elle est différente de la précarité de soi. La pauvreté de soi, en réalité, ça signifie que on a les moyens, mais on ne vit pas de façon ostentatoire. On les gère avec humilité. Le Christ avait la totalité du pouvoir et il a géré avec humilité. Pour que ça ne nous attire pas des flèches et des jalousies, il faut vivre avec modestie. La précarité de soi, ça signifie qu'on n'en a pas. On est dans une situation de carence, de manque, de précarité. Et dès qu'on vous ouvre une possibilité, un boulevard, pour pouvoir vous épanouir, dès que vous êtes déjà installé dans le boulevard, vous écrasez les autres. Vous ne voulez plus que les autres vivent. Et c'est comme ça que nous vivons. Les gens qui n'étaient pas sûrs d'être, dès qu'ils sont installés, ils deviennent des monstres pour les autres. Et ils sont prêts à tout pour arriver là où ils doivent arriver, pour que les autres sachent et sentent que c'est eux qui sont. Et c'est ça qui frustre les relations. Ça complique l'osmose à l'intérieur des familles et dans la société. En soi-même, on n'est pas osmosé. Quand on intègre cela en soi, on n'est pas osmosé, c'est-à-dire qu'on ne réunit pas, on n'est pas cohérent envers soi-même. Quand un être humain n'est pas cohérent, comment peut-il prêcher la cohérence ou alors exprimer la cohérence de la vie à l'autre? Et les sociétés ne font que se compliquer. Parce qu'on n'intègre pas les vrais choix. Donc, la pauvreté de soi. Et le deuxième mot, c'est la pureté d'intention. Je disais à quelqu'un, et j'étais quelque part un jour là, je crois que j'allais à la rue du Bac, et puis on s'est arrêté, je crois qu'il y avait quelqu'un qui passait avec un coup fort, il y a un monsieur, un Français qui dit, mais. Il faut utiliser une arme pour aller. J'ai dit non, ce n'est pas l'arme qu'on utilise. Parce que les guerres, quand tu veux commettre le mal, ce n'est pas regardant les armes que tu vas les commettre. J'ai lu un rapport de l'UNESCO qui disait, les guerres naissent dans les consciences des gens. Le mal naît dans les consciences des gens. Nous nous cultivons un empire de mal à nous-mêmes. Et quand le mal est dans la conscience, il est très difficile d'être une expression de bonheur, une expression de joie, une expression de paix. Quand on n'est pas en paix, ce n'est pas évident. Le Christ a dit tout à l'heure, la paix soit avec vous. Mais il y a un jeune homme, il était tellement mauvais. Et sa maman savait qu'il était mauvais. Mais comme la maison était remplie de miroirs, il ne faisait que changer de vêtements. Chaque fois qu'il changeait de vêtements, il se mettait devant le miroir. Il appelait sa maman, maman, regarde comment est-ce que je suis beau. Et sa maman de lui répondre, tu serais beaucoup plus beau si ton cœur était en paix. Beaucoup plus beau si ton cœur était en paix. Le fait, c'est pas de se vestir. C'est là dedans. Le cœur. Et le troisième mais, c'est le préjugé favorable. Je me plains des gens qui disent, je connais tel monsieur, je connais tel monsieur. Je dis bien préjugé favorable. Je connais telle personne, je connais telle personne.
Tu n'arrives déjà pas à savoir qui tu es. Mais tu peux prétendre connaître celui qui est là. Si je m'en viens, tu n'as pas connu totalement ton âme. Ce n'est pas évident. Peut-être après, tu dis quand tu posais tes larmes, même si vous m'avez, ce n'est pas une évidence. Tu ne veux pas connaître. Ce n'est pas une évidence. Nous vivons ensemble. Parce que l'être humain est tellement intérieur que nous ne pouvons que connaître l'extérieur de l'être humain parce que tous nous sommes doubles. Il y a la personne à l'extra que vous voyez en moi, que je vois en vous, et la personne à l'intra que je ne vois pas en vous, que vous ne pouvez pas voir en moi, mais c'est pour laquelle on demande qu'il y ait une cohérence entre ce que vous êtes à l'extérieur et ce que vous êtes à l'intérieur. Mais malheureusement, quelqu'un vous sourit. Dès que vous tournez le dos, il commence à vous voyager. Ce n'est pas évident parce qu'il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Donc, il y a ce qu'on appelle le préjugé favorable. Il est très important pour pouvoir asseoir cette convivialité où en réalité nous serons jugés devant le Seigneur. Mais la mort, bien que célébrée en anniversaire, apporte toujours des douleurs. Mais quand je constate que cette famille aujourd'hui demande une messe d'action de grâce pour le dépouillement des vêtements de deuil, certes que c'est les vêtements, mais ne sortez pas votre papa dans votre mémoire, parce qu'il a beaucoup fait. Je connais les mamans, je connais les papas, que dès que la maman est absente, parce que la ration ne va pas suffire, il dit à la maman, enlève. Ce qu'on appelle l'avortement. Ou alors si la maman veut garder la ligne, pour qu'on la voie, pour que d'autres personnes la voient, elle enlève la ligne de cinq fausses couches. Donc, vraiment, débrouillez-vous les vêtements de deuil. Mais gardez en mémoire la mémoire de votre père. Que rien et que personne ne vous détourne de cette foi. Faites tout pour que votre mère soit contente. Parce que son époux qui est votre père, l'a laissé, elle représente et son époux et elle-même. Donc ne soyez pas une source de souffrance pour elle et de difficultés. Même les autres qui vivent avec elle, ses amis. Mais si je vous parle, il y a deux jeunes gens de 10 qui rattrapent l'école. Et ils sont en train de discuter. Il y a un qui dit, le maître a dit, souffrance écrit avec un F. L'autre dit, tu es bête. Souffrance écrit avec deux F. Tu n'as pas bien compris. Mamadou, tu n'as pas bien compris. C'est avec deux F. Et il rencontre un grand-père. Ils disent grand-père, grand-père, souffrance écrit avec combien d'êtres? Il dit, vous êtes bientôt. Parce qu'après souffrance, là, j'ai renoncé. Donc ça signifie que je sais écrit souffrance. Il dit donc, après souffrance, là, ça n'est pas. Après souffrance, ça n'est pas. Après souffrance, là, ça n'est pas. Comme vous la tchotchons. Mamadou est venu. Si on ne vous donne pas l'argent de matin, l'argent de bain de matin, souffrance est fait avec un F. Donc ne vous plaignez pas. Si on ne vous donne pas l'argent de bain de matin, souffrance est fait avec un F. Si papa ne donne pas la ration à maman, et que maman ne prépare pas la nourriture, ou alors papa a donné la ration, et maman a préparé, mais a demandé à papa de chauffer au micro-ondes. Ou alors papa est arrivé à l'état, souffrant la sécurité avec deux effets. Et comme vous voyez là, il dit, j'ai perdu mon fils unique. Il y a quelques années. J'ai perdu mon épouse. Il y a un an. Je sors de l'enterrement de ma belle-mère. Et là, je suis en train d'aller aux urgences. Parce que mon beau-père a vomi. Souffrance là a beaucoup d'effets.
n'ajoutez pas les souffrances à Maman Diane. Vraiment, n'ajoutez pas. Ajoutez plutôt la paix et la joie. Et que l'Esprit Saint du Seigneur nous inonde de la totalité de sa présence. Pour que nous puissions intégrer non pas l'attitude de Thomas, mais l'attitude de chrétien, de ceux-là qui croient sans avoir vu. Et ainsi le Seigneur nous offrira la totalité de nos prières pour les siècles et les siècles. Amen. Demain, j'amène ces intentions-là au sol.
On va laisser quelques extensions ici et entre les mains du sacristain qui vient de là, au curé de la paroisse dans laquelle il va être là, sera pour avec les anges et les acteurs,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Que tu règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre.
par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, enseigne nous espérons le bonheur de notre prophète, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne, je m'appelle, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos impairs, ne regarde pas nos doutes d'amitié au quotidien de la vie, mais regarde la foi de chacun d'entre nous. Regarde l'amour dont nous manifestons sur les autres, regarde l'espérance qui nous anime, pour en aller nous prier, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers une unité parfaite. Toi qui règne dans les cieux et dans les cieux, la paix du Seigneur soit toujours avec nous.
et leur fournit des forces nouvelles, dirige-nous de jour en jour vers le royaume dont nous avons l'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, notre Dieu, qui vient et avec toi l'unité du Saint-Esprit, du haut des siècles et des siècles. Amen. La messe est conclue. Je dirais un petit répond, mais pour le repos de l'âme. Et avant cela, je sais pas si la famille a eu à dire un remerciement, de toute façon, au nom de la famille, je suis membre de la famille de la maison. Je vous remercie. Merci. 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 Mais nous ne savons pas comment nous adresser à lui, Seigneur Jésus. Tu as appris à tes apôtres comment prier, tu as pleuré ton ami Lazare dans ton monde. Tu as supplié ton père ensemble, notre père qui est aux cieux. Ne commence pas sans sujet, que lui prendre la lumière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais la croix de Jésus se tenait sa mère, nous aussi comme Marie en cet instant. Nous sommes prêts d'un être cher, un esprit, qui est mort il y a un an et demi. Demandons-lui ce qu'est dans l'épreuve. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons sans péché. Priez pour Marie, conçue sans péché. Priez pour nous qui avons sans péché. Et nous aussi pour la tentation de se libérer de sa parole. Prions le Seigneur, Père de miséricorde, nous te prions. Après, avec amour, tu l'as déjà fait. Ton serviteur, notre ami, Maxime Barouna, montre-lui ta bonté. Purifie-le de tout ce qu'il a pu faire de mal pendant sa vie et donne une entrée dans la vraie vie. Affranchis les liens de la mort. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, l'unité du Saint-Esprit, des siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bye.
Il est là-bas.